La taille d'échantillon. Alors après, vous allez me dire. Mais si on fait un échantillonnage, combien de personnes faut prendre, combien de sujets faut prendre En fait, ça se calcule, ça. Je peux pas vous faire un cours de stats ici, déjà parce que j'en suis incapable. Euh, les stats, c'est vraiment, c'est, un métier, quoi. C'est vraiment un métier. Moi, j'ai des rudiments, mais il faut, c'est un vrai métier. Mais sachez que la taille d'échantillon, ça se calcule. Donc, si vous êtes en panne, je vous aide. Et au pire, si on est complètement en panne, on va voir des spécialistes. Il y a des spécialistes, il y en a partout ici, des spécialistes des stats. Et une taille d'échantillon, ça se calcule. Je vous ai mis un petit exemple comme ça de euh, comment, comment on peut calculer ça assez sommairement avec quand on a un niveau de confiance, quand on a. Euh, alors ça me c'est un petit peu compliqué, c'est vite compliqué, mais voilà, et vous pouvez arriver avec euh, là je vous ai mis un exemple pour le relire. On peut y arriver assez aisément. Évidemment, si vous prenez un, une taille d'échantillon minimale, genre 2K pour le riz de Emoto, comme l'a fait euh, Gilles Lelouche dans le film de Guillaume Canet, c'est lamentable, vous n'obtiendrez rien. Au moins, il y, a déjà, il y a déjà au moins la comparaison. On peut dire que ce n'est pas le degré zéro de l'expérimentation. Il y a, Au moins, il compare avec autre chose. Mais comme je vous le disais l'autre jour... Il insulte l'un mais l'autre entend. Donc c'est quand même nul comme protocole. Vous vous rappelez, hein, je vous ai montré l'extrait de, de ça. Et, et en plus, qu'est-ce qui nous dit que si un pot moisit vraiment plus que l'autre, est-ce que c'est dû à ces insultes Ou est-ce que c'est dû au fait qu'il n'avait pas pris le même paquet Ou est-ce qu'il n'avait pas mis dans le même bocal Ou est-ce qu'il en avait stérilisé un, pas l'autre En fait, il faut que tout soit paramètre égaux par ailleurs. Et ça, on n'en sait rien. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est faire ça sur plein, plein de bocaux. La question va être de combien Et ça, ça se calcule. Alors tout à l'heure quand je vous disais que quand on me demande est-ce que mes cours sont cool, en fait je suis la plus mauvaise personne pour répondre à ça, euh, j'ai pas de critères d'évaluation et surtout euh, je vois que les gens qui sont satisfaits, en tout cas ceux qui viennent me voir à la fin ils veulent pas me taper, c'est déjà un bon début, ouais. mais il y en a plein qui sont partis, ce qu'on appelle les perdus de vue. Le fait d'oublier les gens qui sont partis, ça porte un nom qui est assez compliqué. On appelle ça le biais d'attrition. Je l'ai marqué ici, le biais d'attrition. Et je vous donne un exemple de biais d'attrition avec, avec cette cure, la cure Breus, sur laquelle j'avais travaillé euh, il y a une dizaine d'années maintenant. C'est une cure qui dit euh, être en mesure de guérir le cancer, l'essentiel des cancers. Alors c'est basé sur euh, une, une sorte de révélation qu'a eu un jour un naturopathe qui s'appelait Rudolf Breus, autrichien... Euh, Breus il, je crois qu'il était à Vienne il me semble si j'ai bonne mémoire et c'était il y a longtemps, il y a, il y a bientôt 30 ans et, et ce gars là il a, il a dit, un peu décrété si vous voulez parce qu'après j'ai lu ses bouquins en fait on voit qu'il n'y a pas de protocole du tout dedans hein. il teste rien en fait il a, il a presque l'intuition que ce qu'il faut faire pour tel cancer c'est ça tel cancer c'est ça et à chaque fois la, la solution est la même c'est des jus de légumes mais avec des dosages différents ce qui est parti de l'hypothèse que les, les, le cancer se pour lui, se nourrit d'aliments solides, en l'occurrence le corps des individus. Alors si on ne fait que l'alimenter par des choses liquides, on finira par l'affamer et il mourra. C'est un peu magico Harry Potter, mais c'était son, son truc. Alors vous voyez, il donne des recettes. Voilà, en cas de cancer du foie, la pomme de terre est nécessaire. Enfin, je, genre de phrase que je trouve absolument fascinante. Et donc il, il, il propose ça. Alors il faut savoir que c'est une cure qui est assez dangereuse. Parce que Vous faites ça 42 jours, vous mangez plus, vous faites que boire des jus de légumes. Et il y a déjà des gens qui sont. Alors vous allez me dire finalement ça marche. qu'il y a des gens qui à la fin meurent de faim. Au fond ils ne sont pas morts du cancer. <laughs> vous voyez. Enfin quand c'est votre grand-père ou votre cousin ou votre mère, c'est pas drôle quoi. Donc euh il y a des gens qui meurent de ça. Hein. Ce sont des cures qui affaiblissent des gens qui sont déjà pas en forme. Quoi. Donc c'est violent. Je ne dis pas que tous les jeunes sont néfastes. Celui-ci, il est vraiment violent. quoi. Alors pour le coup, ce que je trouve fascinant, c'est le biais d'attrition chez lui. C'était dans son livre qui s'appelle Krebskur, je ne sais plus quoi la, la, la suite en allemand. Euh, il disait, oui, mais 100% des gens qui l'utilisent sont satisfaits et ils m'écrivent. Mais, mais tous ceux qui sont morts ou qui... Ils n'écrivent pas. Vous voyez, ce biais d'attrition, c'est le même qu'on retrouve quand on regarde les, 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 les gens qui, qui, qui font des commentaires euh, sur Internet, bien souvent. Ceux qui commentent, c'est un autre genre de biais, c'est la même famille. C'est le fait que la plupart des gens qui écrivent sont les gens mécontents, vous voyez, qui viennent se plaindre. Mais les gens contents prennent rarement le temps de dire « Ah, bah, c'était bien, je suis content !» Vous voyez, ils ne prennent pas le temps de faire ça. Par contre, celui qui n'est pas content, il fait « Ah !» Salon, écrivent, écrivent quoi, Et puis ils se lâche, espèce de nazi, enfin, point Godwin, vous voyez, ce genre de choses quoi. Il y a sur-représentation des gens qui se plaignent. L'effet de la même gamme est un effet que parfois certains appellent l'effet Doctissimo. C'est que si un jour vous avez une pathologie, je sais pas, vous avez un bouton sur le coude ou vous avez un, je sais pas, un, mal à une fesse ou je sais rien. Si vous cliquez mal à la fesse sur Doctissimo, vous, 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 vous dormirez plus de la nuit, quoi. Vous allez avoir une surreprésentation de tous les cas sordides de gens qui ont eu la fesse mangée par d'énormes furoncles infâmes qui les a rongés jusqu'à l'os. C'est le festival des, des horreurs, quoi, Doctissimo, si vous voulez. Donc ce sont des cas qui sont réels, mais qui présentent un panel vachement plus grave que ce qu'est la réalité de tous les gens qui ont des boutons sur le coude qui disparaissent le lendemain. Donc eux, ils ne vont pas écrire Ah, j'avais un super bouton sur le coude et il est parti. Tout le monde, ça le personne. Enfin, oui, il va pas, il va se dire, ça va pas intéresser quelqu'un. Euh, en fait, on fait comme une sorte d'effet tiroir. On range les cas pas intéressants, on les publie pas, on les écrit pas, quoi. Et se retrouve sur les cas dramatiques. C'est ce qui fait proliférer, sur ce qu'on on pourrait appeler, comme Bronner le fait, le sociologue, le marché cognitif, les cas les plus graves ou les prétentions les plus extraordinaires, les choses les plus surprenantes, ont pignon sur rue et sont répandus. Et les cas les plus anodins, qui permettraient de faire une statistique un peu plus globale, eux disparaissent. Ça va C'est clair ce que je vous raconte là Ce qu'on appelle ces, 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 ces biais de tiroir, quoi. Le biais d'attrition en est un. Un exemple vraiment flagrant de quelqu'un qui vient, en toute bonne foi, je vous parlais de bonne foi, je vous parlais de quelqu'un qui vient avec son expérience personnelle, qui, en toute bonne foi, vient essayer de vous sauver, utilise en plus une, 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 un courage physique pour le faire, parce que vous allez voir, ce type. Je connais pas. Hein. Il, euh, il y a dix ans, il, il arrive en plein milieu d'une émission. Il a réussi à pirater le micro de Nagui. Vous connaissez peut-être Nagui, le présentateur. C'était le le, les Victoires de la musique. Il interrompt une chanson et puis il délivre un message. Je vous laisse écouter. J'ai amené la petite vidéo. Alors ça parle vite. Et je vous décrypterai. Euh... Donc là, vous avez Agnès Jaoui qui chante. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas moi. Euh, ben, elle, elle joue bien, oh, oui, oui, oh, sa chanson. Bon. Bref, s'en fout. le monsieur. Pardon, ma soeur, le cancer est guérissable avec des remèdes naturels. Je m'excuse de, de perturber votre salle, mais le cancer est guérissable avec des remèdes naturels. Ça fait longtemps que le cancer est guérissable avec des remèdes naturels. On nous trompe sur les chiffres de guérison. Il n'y a pas 65%, comme ils le disent à la télévision. On nous a avons fait une émission. Il y a la cure Monsieur, qui guérit le cancer. A... C'est guéri d'un cancer avec des remèdes naturels. Monsieur, Ça fait longtemps qu'on s'est guéri. Monsieur, le Monsieur, il y a, il y un a eu une un un émission un là-dessus sur France 2. Oui, on, on nous trompe. On nous trompe. Laissez parler les gens Mais qui savent. Respectez les artistes. j'ai guéri d'un cancer Monsieur. avec des remèdes naturels, s'il est... vous plaît. En trois semaines de jeûne, on guérit tous les cancers, s'il vous plaît. Merci, fascisme. merci, vous plaît. merci. J'ai guéri avec la curbreuse, on la trouve sur internet. C'est incroyable. Excusez-nous. Désolé Agnès. On est désolé. Mais ça s'appelle les inconvénients du direct. Voilà. Tu peux, ou tu, oui si tu veux. Courageux hein, le type 1. Hein. Courageux en vrai. Hein. Et en plus, dans son discours, c'est vraiment intéressant. Le type est courageux, le type est de bonne foi. Il vient délivrer un message qui lui paraît absolument essentiel. Le problème, c'est qu'il vient sans aucun corpus de preuves, qui a jamais eu de preuves données à l'appui de la cure Par contre, des désagréments, il y en a vraiment. Donc en fait... Sans vouloir faire le mal, il, il met potentiellement en danger vos proches et mes proches qui sont atteints d'un cancer, ou vous-même si vous êtes atteint d'un cancer, et si vous le croyez. Alors vous dites, c'est quoi les preuves qu'il apporte, ou les arguments qu'il apporte Il dit qu'on nous ment à la télévision, bon, pourquoi pas, de toute façon c'est commun, quoi. Euh, et il dit, euh, il commence par dire, on peut guérir le cancer par des méthodes naturelles. Après, un peu, un peu plus tard, il dit, euh, j'ai guéri le cancer par des remèdes naturels. En fait, l'échantillon qu'il a, c'est lui. Si tant est qu'il est vraiment guéri. Parce que j'ai déjà reçu des courriers suite à un article que j'avais fait sur la cure brousse, euh, des courriers qui me disaient comment pouvez-vous vous dire, vous dire euh, que la cure ne marche pas Je l'ai fait à titre préventif et j'ai pas eu le cancer. Le panneau anti-girafe. Donc si ça se trouve, ce monsieur a fait la même chose. J'en sais rien en fait. Pour être sûr qu'il a guéri du cancer par ça, il faudrait qu'on regarde ses résultats médicaux avec lui. Sauf que c'est vachement intrusif, quoi. donc on, on, ça va être difficile de lui demander. Vous voyez ce genre de choses, de vérifier si, vraiment est-ce que c'est la curbreuse qui a amené la guérison à ça, auquel cas oui, ça fait un cas, dans ce cas-là on monte une cohorte et on essaie de vérifier ça sur un grand échantillon de gens, avant de venir le clamer devant tout le monde. Donc il y a la promotion de la curbreuse, ce qui potentiellement peut mettre en danger plein de gens, parce que malheureusement, à moins que les connaissances aient changé depuis, depuis 15 heures tout à l'heure où j'ai encore vérifié, il n'y a, a pas d'études montrant un quelconque intérêt à cette cure, et par contre des désagréments, il y en a un bon paquet, hein. je vous dis, ça affaiblit beaucoup, les gens. Et ce n'est pas la seule cure. En enfin, fait, les prétentions de guérison du cancer, des cures comme ça, vous en avez des centaines qui circulent. Que ce soit la cure de choux, euh, la cure de grains de raisin, la cure de, de tout, tout n'importe quoi. Je, je me demande toujours d'où ça part. Généralement, ça part de quelqu'un qui hop, il a une intuition comme ça. C'est souvent une, ce que les techniciens appellent une épiphanie. Oh, frappé par un rayon céleste et oh, le, le grain, grain de raisin, c'est le grain de raisin cette année. <laughs> je, je les imagine comme ça. Mais Pas de preuves. Ah non, aujourd'hui c'est le navet. Hop, et puis on va boire on va que du navet. On ne peut pas se permettre de lancer ça comme ça, quoi, vous vous rendez compte ça, 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 ça crée un marché cognitif tout à fait stupéfiant. J'ai mis un exemple de problème classique d'échantillonnage que chaque semestre des étudiants me, me viennent traiter avec moi parce qu'ils ils me disent voilà, je, Moi je vis des rêves prémonitoires. Quoi, et j'aimerais savoir pourquoi. Et puis je leur dis ben, Moi aussi, ça m'arrive. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que même quand on est, euh, je ne sais pas, vous êtes en L1, L2, peut-être dans des, dans des, des filières euh, très scientifiques expérimentales, et pourtant je me rends compte que même nous, qui avons fait ces études de sciences expérimentales, et ben on, on se retrouve à ne pas mobiliser ce qu'on sait dans des moments comme cela. Regardez, une phrase comme celle-ci. Un dimanche matin, je me mets à penser à ma tante Yvonne, à laquelle je ne pense jamais. Ce qui n'est pas très bien, il faut penser à sa, à sa tante Yvonne, mais bon, j'y pense jamais. Cinq minutes plus tard, ma mère m'appelle ma par téléphone, elle me dit, ah, elle, vient, elle vient de mourir. Oh on dit, alors là, il y a plusieurs hypothèses. Il y a hasard, prémonition, pouvoir de tuer à distance par le pouvoir de l'esprit. <laughs> C'est peut-être vous qui l'avez flingué, en fait, euh, la tante Yvonne. Paf Ça serait glauque, on n'y pense jamais, mais peut-être que effectivement. Hein. Que faire pour prouver qu'on a une réelle capacité de prémonition par les rêves En fait, vous devez mobiliser. Euh, une démarche protocolaire. Vous êtes obligé de faire ça. Alors pour le faire, je vous donne juste quelques conseils comme ça, juste pour vous sentir le truc. En fait, il faudrait d'abord évaluer la probabilité de, quel, de rêver de quelqu'un, et ensuite qu'il ne lui arrive rien, et comparer après avec la probabilité de rêver de quelqu'un que vous avez, et qu'il lui arrive quelque chose. C'est ça qu'il faut commencer à comparer. Sauf qu'en fait, ça, ça va poser des problèmes sur qu'est-ce que c'est que rêver de quelqu'un, qui c'est qu'on inclut dedans, qu'est-ce que ça veut dire ensuite. C'est-à-dire dans quel laps de temps et le quelque chose. Alors, faisons la liste des personnes auxquelles. Imaginons que je veuille faire le test. Je me dis est-ce que vraiment, euh, euh, est-ce que j'ai tendance à ne me rappeler que les cas où j'ai rêvé de quelqu'un et il lui arrive quelque chose Ou est-ce que vraiment c'est fréquent Si je veux ça, si c'est fréquent, il faut d'abord que je fasse une liste des gens auxquels je peux potentiellement rêver. Alors, je fais la liste et je me dis bon, ben, est-ce que j'inclus Pépé Mémé, euh, Tati, euh, Moumoute et puis Bobby euh, Est-ce que je mets le chien dedans Bon pourquoi pas? Et puis après est-ce que je mets Brad Pitt et Scarlett Johansson Est-ce que je mets les, les... Qu'est-ce que je prends comme échantillon? En gros, mettons que vous preniez une centaine de personnes autour de vous. Voilà, vous prenez une centaine de personnes autour de vous. Ensuite, vous devez définir un critère temporel. Est-ce que vous estimez que l'action, enfin euh, que votre prémonition, elle marche sur le jour même? C'est vrai que c'est surprenant. Euh, sur deux jours, vous considérez que vous garderez un cas comme valide s'il lui arrive malheur dans les deux jours? Parce que si vous prenez 30 ans, ça va, ça va marcher souvent, quoi. Parce qu'il arrive toujours quelque chose dans, les, dans 30 ans pour à quelqu'un, quoi. probable que Brad Pitt il se cassera un bras et que Scarlett Johnson glissera sur une peau de banane, si vous voulez. Il y aura toujours quelque chose de grave qui peut leur arriver à ces gens, donc euh, ou, à vos, ou à votre mémé, quoi. Vous voyez, donc si on prend un laps de temps trop grand, on va inclure beaucoup trop de cas. Donc il faut prendre un, un laps de temps court, il faut le fixer à l'avance. Et le quelque chose, il va falloir le définir. Le décès, évidemment, c'est logique de le garder. Est-ce qu'une maladie, comme un rhume, on le garde ou pas ?« Ah, oh, j'ai rêvé à toi mémé, puis... et tu as eu un rhume deux jours après. Bon, »« bon, Perte du chat, j'ai mis perte du chat, oui. Oh, »« putain, j'ai rêvé de ma mémé, elle a perdu son chat. » Ça fait, ça fait naze, quoi. on voit bien que ça ne marche pas. Quoi. En fait, il lui arrive quelque chose, c'est quoi En fait, le tout, c'est qu'il faut préciser les critères que l'on prend et les critères d'inclusion de nos cas. Il faut le préciser à l'avance. Et ensuite, une fois que vous avez défini ça, là, vous notez. Chaque fois que vous rêvez de quelqu'un, vous regardez si dans les trois jours, mettons que vous ayez pris la borne de trois jours, est-ce que dans les trois jours, il lui arrive quelque chose de grave Maladie, décès, maladie grave, décès, je sais pas, perte du chat, quoi, ce que vous avez inclus, et vous regardez si effectivement ça arrive quoi. Et vous noterez bien que... D'ailleurs, on peut s'entraîner à se réveiller quand on, on fait des rêves. Vous avez plusieurs cycles de rêves dans la nuit, hein, vous savez. On a tendance à avoir l'impression qu'ils durent longtemps, puis en fait, c'est des temps très courts. Et vous pouvez vous forcer, avec un peu d'entraînement, à vous réveiller juste après vos séquences de rêves. Vous mettez un petit carnet à côté de votre lit. Et puis dès que vous êtes... Euh, si vous dormez dans un lit, j'imagine que oui. Et, euh, et hop, et vous vous et Vous vous, réveillez, vous dites, ah, j'ai rêvé de... Alors, j'ai rêvé de... Un rêve érotique avec un tel, j'ai rêvé de Mémé Jacqueline, j'ai rêvé de Bob l'éponge, j'ai rêvé. De Et vous notez tout ça, quoi. Et après, vous regardez si dans les trois jours, il leur arrive quelque chose. Et là, vous saurez si effectivement, vous avez un rêve prémonitoire. Et si en faisant ça, vous avez une surreprésentation des cas, vous venez nous voir, parce que là, on est sur la piste d'un prix Nobel. Parce que ça n'a jamais été démontré, la capacité de prémonition. OK Voilà comment on peut mettre une démarche, même sur quelque chose qui a l'air assez flou comme ça. Un autre élément qui est absolument central dans une démarche, c'est ce qu'on appelle la, la mise en aveugle d'une expérimentation. Alors, on parle parfois de double et même maintenant de triple aveugle. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Mais la réflexion sur ces sujets, elle est née d'une histoire d'un cheval que je vous ai mis en photo ici, qui s'appelle le cheval, on l'appelait Hans le Malin. En, en allemand, c'était Kluger Hans. Hans le Malin, c'est un cheval qui était connu parce qu'il savait compter. Quand on lui donnait une opération d'arithmétique, on lui donnait par exemple 5 plus 3, et le cheval donnait le nombre de coups de sabot qui correspondait au résultat, et quand c'était le bon résultat, il s'arrêtait. Et tout le monde faisait wow, ⁇ Waouh, incroyable, quel cheval incroyable, c'est Hans, c'est incroyable. Son propriétaire qui s'appelait Van Osten le faisait tourner, et tout, il faisait des, 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 des foires, il faisait des démonstrations. Et ça marchait presque tout le temps, quoi. C'était assez fascinant. Le cheval, vraiment, tout le monde se disait, bon, c'est un cheval qui, voilà, l'intelligence animale, c'est incroyable, on ne se rend pas compte, ils ont des capacités extraordinaires, et tout. Jusqu'au jour où un type qui s'appelle Oscar Pfungst... 1907, il se pointe et il dit, tiens, je vais essayer de... Je vous ai mis une photo de lui, là, vous allez voir. Il, euh, allez, il est où, il est là, voilà, Oscar Fungst. Il, dit, euh, je, il a demandé à Van Oostel s'il pouvait faire des tests sur le cheval. Alors, il a mis un système de hier et tout, il a, il a fait pas mal de tests sur lui. Je ne vous résume pas tout, hein. je vous résume tout en quelques lignes, je veux dire. Il a fait en gros quatre, il a, il a fait quatre gammes de tests. Dans le premier cas, il a isolé le cheval et l'interrogateur, et il a viré tous les spectateurs pour voir si... Parce pas les spectateurs. Qui... Après, il a pris d'autres interrogateurs que le maître de Hans, pour voir si ce n'est pas le maître qui induit la réponse. Voyez après, il a mis des œillères, de faire en sorte, faire en sorte que Hans ne voit pas l'interrogateur. Et puis, après, il a posé des questions dont l'interrogateur ignorait lui-même les réponses. Conclusion à laquelle il est arrivé il a dit en fait, Hans, il ne sait pas compter. Quoi. Hans, il sait réagir quand son public est content. C'est-à-dire que le cheval était capable de détecter la gamme de ce qu'on appelle maintenant techniquement les effets idéomoteurs, c'est-à-dire en grossissant un peu le trait, les moments où euh, 5 plus 3, on arrive à 7, et puis 8, à 8, le public, il fait un peu... Euh... Je, je grossis un peu, hein, ce pas aussi gros que ça. Les... Et le cheval, il a bien compris que c'est quand... là qu'ils étaient, étaient contents, les gens. Donc il s'arrête de compter, et tout le monde est content, il a la carotte et le petit bout de pain, et il est tout content. quoi. Donc en fait, il ne savait pas compter, il savait réagir au public. Et je vous dis ça pourquoi Parce que c'est pas directement à cause de ce cas-là, mais à cause de plein de cas comme ça qu'on s'est dit en fait, si ça se trouve dans les expérimentations, l'expérimentateur crée lui-même l'effet, ou l'expérimentateur l'induit sans s'en rendre compte. Et ils en sont arrivés à un point où ils se sont dit en fait, il faudrait quand on teste un, un, un médicament, par exemple, vous savez qu'on le teste contre placebo. Je vous ai fait un petit schéma, il me semble une fois, hein, sur ça. Non, je vous ai pas fait de schéma du tout. Jamais jamais. Bon, attends, je vous fais un petit schéma sur le... J'y reviendrai longuement sur le placebo, mais euh, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Euh, éclairage du tableau, c'est là.